Hola todos! J'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans une histoire tout bonnement spectaculaire. En fait, j'ai eu l'idée de l'écrire après avoir vu un film sur Netflix, une fiction tirée de cette affaire dans laquelle on ne retrouve nul autre que Fianso, pour ceux qui connaissent la référence. Quand j'ai vu le film, en fait, je me suis intéressée à l'affaire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse controverse autour de tout ça. Et je trouvais intéressant de travailler dessus, puisque, bah, comme vous le savez, on va dire que j'ai une petite prédilection pour les affaires assez controversées, en tout cas celles qui ne sont pas aussi simples que ce qu'on a pu penser au départ. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis bah, je vous dis à tout de suite. Something with your mind that you can do it with the body will follow your mind. And my mind is very ready. L'histoire d'aujourd'hui prend fin en 2002 au large de Bahia Ibe, une petite station balnéaire située en République dominicaine. On est le 12 octobre 2002. L'apnéiste française de 28 ans, Audrey Mestre, se prépare pour une plongée de 171 mètres afin de battre le record mondial d'apnée nos limites féminin, qui est de 160 mètres. Il est détenu par la britanno-américaine Tanya Streeter et Audrey est bien décidée à récupérer le titre. Audrey Mestre, qui avait enregistré plusieurs records mondiaux au cours des dernières années, perd tragiquement la vie. Depuis 20 ans, de nombreuses rumeurs circulent autour de ce décès. Il ne s'agirait pas d'un accident, mais bel et bien d'un meurtre. Audrey Mestre naît en août 1974 en Seine-Saint-Denis et elle grandit à Palavas-les-Flots. Ses parents sont Jean-Pierre et Anne-Marie Mestre, avec lesquels elle a toujours entretenu des liens très étroits. Très jeune, son grand-père l'initie à la nage et à la plongée dans le sud de la France. Elle est clairement dans son élément insoumis. Audrey a une scoliose depuis petite, c'est une déviation de la colonne vertébrale. Et forcément, ça représente un handicap. Mais dans l'eau, elle se sent libre de ses mouvements. À l'âge de 2 ans et demi, par exemple, elle participe à une compétition de natation de 25 mètres et elle remporte une médaille d'or. À 13 ans, elle est déjà très à l'aise avec la plongée sous-marine. Mais compte tenu de son jeune âge, elle doit attendre ses 16 ans pour obtenir son diplôme. Ce que l'on sait d'elle, c'est que c'est une adolescente pleine de vie, adorable et passionnée. En 1990, alors qu'elle est âgée de 16 ans, elle déménage au Mexique, dans la ville de Mexico, avec ses parents. Et dans la mesure où la plongée est une évidence pour elle depuis son plus jeune âge, elle la poursuit au Mexique. Après l'obtention de son bac en 1993, elle s'oriente vers des études de biologie marine à l'université de La Paz. Et durant son parcours universitaire, elle choisit comme sujet de thèse le blue shift. C'est un phénomène physiologique qui est provoqué par le corps lors d'une plongée sous-marine en profondeur afin d'éviter de mourir. Bon alors, moi je vous explique, hein, j'étais très nul en SVT, si Monsieur Peson passe par là, il pourra vous le confirmer. Mais toujours est-il que je me suis un petit peu renseignée pour vous faire cette vidéo. Et de ce que j'en ai compris, lors d'une plongée en profondeur, le corps a trois réflexes d'immersion. Tout d'abord, la bradycardie. C'est le ralentissement du rythme cardiaque de 50%. Ensuite, la vasoconstriction périphérique. C'est les vaisseaux sanguins périphériques qui diminuent de diamètre, ce qui provoque un reflux du sang vers les organes vitaux comme le cœur, les reins, et le cerveau, et enfin l'érection pulmonaire, le fameux blue shift. Le sang afflue vers la cage thoracique pour la protéger afin que les poumons ne soient pas écrasés par la pression extérieure. Plus le plongeur descend, plus il va y avoir de la pression au niveau de la cage thoracique forcément, et les poumons qui sont de la taille, on va dire, d'un bon bouquin, comme ça, atteignent la taille d'une orange pour éviter d'être ratatinés. À l'origine, le blue shift, c'est un phénomène qu'on connaît chez les mammifères marins, puisque c'est leur environnement naturel. Mais à partir des années 50, des chercheurs ont constaté que des plongeurs et des apnéistes avaient cette faculté similaire aux mammifères marins. Parfois, ils avaient même une faculté limite hors norme, on va dire, un peu comme des X-Men. Quoi qu'il en soit, Audrey s'intéresse à ce phénomène physiologique, et en effectuant ses recherches, elle tombe sur une étude dont le cobaye n'est autre que Francisco Ferreras, le champion du monde en apnée no limites dans la catégorie masculine.
Elle fait donc d'intenses recherches sur lui grâce aux articles qui parlent de lui. Elle se documente par exemple grâce au registre de l'AIDA, qui est la fédération la plus reconnue de la discipline d'apnée nos limites. Tous les records officiels y sont enregistrés, dont ceux de Francisco Ferreras, surnommé Pipine. C'est un apnéiste cubain né en 1962 qui a passé la majeure partie de sa vie sous les eaux à la recherche de records. Au moment où Audrey effectue ses recherches pour sa thèse, Pipine détient le record du monde avec une plongée à 128 mètres. Il a battu son propre record de l'année précédente puisqu'il est en compétition serrée avec l'apnéiste italien Umberto Pellizzari. Audrey est fascinée par ce recordman. Elle est fascinée par ses capacités hors normes, par ses exploits, peut-être même par le côté un peu transgressif de cette discipline. Après 8 mois de travail acharné, elle termine sa thèse, mais une chose est sûre, elle veut rencontrer cet homme. En février 1996, sa thèse vient d'être bouclée. Audrey se rend dans la ville de Los Cabos, au Mexique, afin d'y rencontrer Francisco Ferreras. Elle veut absolument lui poser des questions, et comme je vous l'ai dit, elle est fascinée par cet homme. À ce moment-là, elle a 22 ans, Francisco Ferreras en a 34, et c'est le coup de foudre. Ils deviennent inséparables. Audrey, qui vit au Mexique, déménage à Miami en Floride, pour être près de Francisco Ferreras. Et c'est durant cette relation qu'elle se familiarise avec la discipline de l'apnée nos limites. Le principe de l'apnée nos limites est le suivant. Le plongeur prend une bouffée d'air avant d'être immergé sous l'eau et tracté dans les profondeurs par le biais d'une gueuse. Comme ça, il peut décider du rythme de sa progression dans les profondeurs. Il y reste le temps de marquer un arrêt à une distance bien précise, puis il remonte à l'aide d'un ballon d'air comprimé juste au-dessus de sa tête. On appelle ça un parachute, puisque le principe, c'est de faire remonter le plus vite possible le plongeur. Au départ, Audrey sert plutôt d'assistante plongeuse à Francisco. Elle le filme, ou elle le prend en photo, mais progressivement, il l'initie, et elle aime ça. Elle aime cette sensation de profondeur, cette maîtrise qu'elle doit avoir sur son corps et sur ses réactions physiologiques. Et chose plutôt rare pour une débutante, elle atteint très rapidement des profondeurs records. Francisco l'encourage à se dépasser et à travailler sur ses capacités physiologiques pour pouvoir participer officiellement à des compétitions. Elle fait dorénavant partie de son équipe composée de lui-même et des membres qui sont censés assurer la sécurité du plongeur. En 1997, Francisco crée avec son ami et partenaire Carlos Serra l'IAFD, International Association of Free Divers, qui est une fédération d'apnéistes. Quelques années plus tôt, il a été sanctionné par la fédération AIDA à cause de ses prises de risques et de son refus de se conformer au règlement du No Limit. Et en réponse à cette sanction, il a créé sa propre fédération. L'IAFD est clairement un concurrent de l'AIDA, même si en soi, l'AIDA est une structure mieux organisée et qui est davantage reconnue dans le monde de l'apnée depuis sa création en 1992. Mais c'est pour leur faire un pied de nez qu'il a créé l'IAFD, d'autant qu'à ce moment-là, Francisco Ferreras, c'est un nom qui pèse dans le monde de l'apnée, puisque c'est un recordman. Et point qu'il est utile de préciser, une fédération, quelle que soit la discipline, mais là, il s'agit de l'apnée, que ce soit l'AIDA ou l'IAFD, le but, c'est de recenser les records lors de compétitions officielles, mais également d'encadrer et de promouvoir cette discipline qui, à ce moment-là, dans les années 90, n'en est qu'à ses balbutiements. Dorénavant, grâce à l'IAFD, Francisco peut encadrer et enregistrer le record d'Audrey, qui est d'une certaine façon son poulain. Et les résultats ne se font pas attendre puisqu'elle accomplit son premier record en mai 1997. Elle plonge à 80 mètres de profondeur à Grand Caïman devant les yeux de sa mère Anne-Marie, impressionnée par l'exploit de la jeune femme. En juillet 1998, elle et Francisco s'immergent en parallèle jusqu'à 150 mètres de profondeur, ce qui est du jamais vu. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ la moitié de la hauteur de la tour Eiffel. Sinon, un autre ordre d'idée, c'est la cathédrale de Rouen. Bref, Francisco et Audrey sont fous amoureux l'un de l'autre, et en août 1999, après 3 années de relation, ils se marient pour officialiser leur union. Cela dit, ils ne perdent pas de vue leur objectif, battre des records dans leurs catégories respectives. Mais peu après, en janvier 2000,
Francisco a une syncope en remontant à la surface après une plongée. C'est une perte de connaissance liée à une baisse du taux d'oxygène dans le cerveau. Tratamos de chequear en la computadora. Pasaron 40 segundos en el fondo. En los últimos 3 metros se desmayó. Kenna, dime, porque tú eres una esposa de qué pensaron. Nada, o sea, esas cosas suceden, no. Yo tengo muchísima confianza en lo que él hace y en lo que hacemos. Francisco, c'est un homme qui dépasse de plus en plus ses limites, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Il prend énormément de risques pour pouvoir atteindre des profondeurs records. Et forcément, ça a, on va dire, des conséquences sur son état de santé général. Et au fur et à mesure, il se rend compte qu'il n'est peut-être plus aussi apte qu'avant à battre des records. Donc d'une certaine façon, Audrey est là pour prendre la relève. Et elle le fait avec succès. En mai 2000, elle accomplit un exploit. Elle bat le record féminin d'apnée No Limit avec une profondeur de 125 mètres aux îles Canaries. L'année suivante, en mai 2001, elle bat son propre record avec une profondeur de 130 mètres à Fort Lauderdale, la ville où a grandi Gérard Schaeffer. Là, certainement, vous vous dites « Oui, mais bon, 3 ans plus tôt, elle est descendue à 150 mètres de profondeur avec son mari. » En fait, c'est pas pareil parce qu'ils sont descendus en tandem, donc ils étaient ensemble pour cette descente. Et je connais pas exactement les tenants et les aboutissants, mais déjà, c'était pas une compétition officielle. Et dans la mesure où elle était avec Francisco, ça peut pas rentrer dans le cadre d'un apnée No Limit pour un record féminin, par exemple. Il y a vraiment des règles à suivre. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, elle atteint un record inégalé jusqu'à présent. Et pour bien vous recontextualiser, on va dire, l'excitation autour d'Audrey Mestre, il faut savoir qu'à l'époque, l'apnée No Limit est une discipline majoritairement masculine. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui la pratiquent, donc forcément, on lui reconnaît son talent. L'apnée No Limit, c'est pas uniquement se boucher le nez et plonger en profondeur, c'est toute une préparation physique, physiologique et psychologique, puisque c'est une discipline extrêmement dangereuse. Jusque-là, il y avait quelques femmes qui la pratiquaient, comme la cubaine Deborah Andolo, qui avait réalisé plusieurs records du monde depuis 1992. Mais dès les années 2000, de plus en plus de femmes s'intéressent à cette discipline, et de très jolies femmes qui plus est. On peut citer la canadienne Mandiré Cruickshank, ou encore Tania Streeter, une britannico-américaine qui a atteint la profondeur record de 160 mètres en août 2002. Battant ainsi Audrey de 30 mètres. Donc autant vous dire que la compétition est serrée, ça rigole plus. Le 4 octobre 2002, Audrey s'envole en compagnie de son mari et de leur équipe en direction de la République dominicaine afin de récupérer le titre qu'elle vient de perdre. Et pour marquer le coup, elle et son mari ont décidé qu'elle irait bien au-delà de cette profondeur. Elle tentera le 171 mètres. Et ça, c'est plutôt spectaculaire, puisque si elle réussit, elle battra même son époux, qui a réalisé un record en janvier 2000 avec 162 mètres de profondeur. Pour vous donner un ordre d'idée, 171 mètres, donc la profondeur qu'elle veut atteindre, c'est à peu près la hauteur du Washington Monument. Et il s'agit d'un événement énormément attendu, puisque là, pour Audrey, il ne s'agit plus de récupérer le titre dans la catégorie féminine, mais de détenir le record même pour la catégorie masculine. Ce qu'il est important de souligner également, c'est que c'est une discipline qui, depuis peu, commence à rapporter beaucoup d'argent. Jusqu'à la fin des années 90, ça n'attirait pas forcément d'argent, mais avec l'arrivée, on va dire, de compétitrices femmes, les sponsors se sont intéressés à cette discipline qui fascine autant qu'elle fait peur, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'y intéresser. Donc l'argent qu'il y a à la clé n'est pas négligeable. Et je vous le répète encore une fois, l'apnée No Limit, c'est pas simplement se boucher le nez et descendre sous l'eau. C'est atteindre des profondeurs qui sont extrêmes pour le corps humain, puisque en fait, on n'est pas apte physiologiquement, physiquement, à atteindre de telles profondeurs. Mais certaines personnes qui ont des capacités, soit qu'ils ont travaillé, soit des capacités innées, peuvent atteindre ces profondeurs. Et autre point concernant l'apnée No Limit, l'une des règles, c'est de remonter sain et sauf. C'est-à-dire que si vous faites une descente à 200 mètres de profondeur et qu'en remontant, vous avez un accident de décompression ou une syncope, vous n'êtes pas vainqueur.
Bref, Audrey s'entraîne pendant plusieurs jours. Elle répète inlassablement les mêmes gestes et à chaque fois, elle réussit la plongée à 171 mètres et la remontée. Elle est prête. Le 12 octobre 2002, c'est le jour J. Audrey est extrêmement stressée. C'est le moment le plus important de sa vie. Si elle réussit, elle remporte le titre dans la catégorie féminine, mais également dans la catégorie masculine. Elle deviendrait ainsi une légende. Il est 14h30, heure locale, ce samedi 12 octobre 2002. Audrey enfile sa combinaison dotée de détecteurs, ainsi que le bracelet à la cheville et à la main, qui servent à enregistrer ses mouvements. 13 personnes l'accompagnent afin de superviser la plongée, dont deux plongeurs de sécurité. Un sera stationné à 172 mètres, le second à 80 mètres. Un troisième plongeur devait être présent, mais il est décédé l'année précédente. Quoi qu'il en soit, Audrey commence à descendre à l'aide de la gueuse. Elle s'enfonce dans les profondeurs. Tout va bien jusque-là. La descente se poursuit et elle atteint la limite qu'elle s'est fixée et pour laquelle elle s'est longuement entraînée les jours précédents. 171 mètres. Audrey a réussi à descendre à 171 mètres. Elle saisit le manche censé actionner le ballon d'air qui doit la remonter à la surface en moins d'une minute, mais rien ne se passe. Elle tente encore une fois, là encore, rien ne se passe. Elle réalise que le ballon d'air est vide et elle doit remonter à la surface le plus rapidement possible puisqu'elle a déjà passé 3 minutes sous les eaux. Le plongeur de sécurité qui se trouve à 172 mètres tente à son tour d'actionner le ballon d'air mais il remarque qu'il est vide. Il tente alors d'injecter de l'air dans le ballon d'air à l'aide de sa bonbonne mais la manœuvre est très compliquée et il parvient à en mettre un peu. Audrey tente de remonter à l'aide du parachute, mais la montée ne se fait pas aussi rapidement que prévu. D'autant qu'à 164 mètres, le câble semble bloquer sa progression. Les secondes passent et c'est le stress à son paroxysme. Le plongeur de sécurité qui s'appelle Pascal aide alors Audrey à monter à la nage, mais disons que la manœuvre est là encore très compliquée puisque lui a sa bonbonne d'air. Il y a quelques légers courants sous l'eau et à 171 mètres de profondeur, on ne voit pas grand-chose. Donc il tente de la remonter le plus rapidement possible. Ce qu'il se passe, c'est qu'à environ 160 mètres, Audrey a une syncope. Et Pascal ne peut pas non plus aller plus vite que ça puisqu'il doit respecter des paliers pour s'éviter un accident de décompression. En gros, s'il va trop vite, il risque la mort. Le second plongeur qui est stationné à 80 mètres ne voit rien remonter. Lui attend, mais pas de ballon d'air, pas de parachute, pas d'Audrey. Francisco et le reste de l'équipe qui se trouve sur le canot, à la surface, commencent à s'agiter puisque les minutes passent et ils ne savent pas ce qu'il se passe. Le plongeur qui est à 80 mètres ne sait pas lui-même ce qu'il est en train de se passer. Le seul qui est au courant, c'est Pascal, mais il est à plus de 100 mètres de profondeur. Ce que fait Francisco, c'est qu'il plonge et il plonge en profondeur à la recherche de son épouse et à 90 mètres, il la trouve dans les bras de Pascal. Il la saisit et il remonte le plus rapidement possible pour la ramener à la surface. Presque 9 minutes après son immersion dans l'eau, le corps inerte d'Audrey Mestre est remonté à la surface, de l'écume au coin de la bouche. Elle est remontée dans le canot sous l'œil des caméras. Le médecin présent sur place, qui est en fait dentiste, tente de la ranimer. Le corps est transporté via un canot à moteur dans un hôtel à proximité. Malheureusement, son décès est officiellement prononcé à son arrivée à l'hôpital, 30 minutes après. Le rapport d'autopsie conclut qu'on n'a retrouvé ni drogue, ni alcool dans son organisme. Ses poumons avaient augmenté de volume. Il conclut à une mort par asphyxie. Les personnes présentes lors de cette compétition, dont Francisco et son ami Carlos, sont interrogées par la police dominicaine durant quelques heures, puis ils repartent. L'annonce officielle est la suivante. La championne française Audrey Mestre est morte accidentellement lors d'une tentative de record. Bon, à ce moment précis, je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de se demander pour quelle raison le plongeur de sécurité Pascal n'a pas aidé Audrey en lui fournissant de l'air de sa bonbonne. Je me suis longuement posé la question moi-même et je pense que vous êtes en train de vous poser cette question. J'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre parce qu'honnêtement c'était très difficile pour moi sachant que
je suis nulle en SVT et je suis tombée sur des sites, des forums, enfin tout un tas de choses, même des pages Wikipédia. Et bah, en fait, il y avait beaucoup de trucs, il était question de Boyle et Marriott, il y avait des calculs avec des V, des égales. Franchement, j'avais mal au crâne. Honnêtement, moi-même, j'ai cru que j'allais faire une syncope. Et au final, j'ai trouvé deux explications possibles. La première hypothèse, c'est l'accident de décompression. En gros, si Pascal avait fourni de l'oxygène à Audrey, en remontant, ils auraient risqué, lui ou elle, un accident de décompression puisqu'ils devaient respecter des paliers. Et de ce que j'en ai compris, ceux qui risquent l'accident de décompression, ce sont les plongeurs qui respirent à l'aide d'une bonbonne et non pas les apnéistes, puisque les apnéistes ne continuent pas de respirer sous l'eau, puisque bah, forcément ils sont en apnée. Alors que le plongeur qui a une bonbonne d'oxygène continue de respirer et en montant, s'il ne fait pas attention au palier de décompression sous l'eau, bah, il a ce qu'on appelle un accident de décompression. Donc la première hypothèse, ce serait que Pascal ne l'a pas fait pour la sécurité de tous les deux. En gros, pour éviter que l'un et l'autre naît un accident de décompression en remontant et en respirant tous les deux de l'oxygène et que bah, ce soit fatal pour tous les deux. Bon, je vous avoue que peut-être que j'ai du mal à expliquer cette théorie, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Je pense plutôt que la deuxième hypothèse est la plus viable et je vais vous l'expliquer comme je l'ai comprise. Et cette fois-ci, je pense que je l'ai bien comprise. Bon, je viens de relire mes notes pour être sûre et pour pas vous dire de bêtises. La deuxième hypothèse, c'est que Pascal, en lui fournissant de l'oxygène, aurait risqué qu'Audrey meure à la suite de l'explosion de ses alvéoles pulmonaires. Alors, en gros, un apnéiste et un plongeur n'ont pas du tout la même préparation physique au moment de plonger sous l'eau. Le plongeur a sa bonbonne, donc il continue de respirer sous l'eau. Ok ? L'apnéiste, lui, prend une bouffée d'air et en descendant, avec la pression de l'eau, sa cage thoracique, comme je vous l'ai dit, commence un peu à s'écraser. Et en fait, ses poumons se rétractent pour éviter d'être ratatinés par la cage thoracique. Ce que ça implique, c'est que les poumons se rétractent, mais l'air qu'il contient se rétracte également. Si Pascal avait donné de l'oxygène à Audrey, elle en aurait inhalé, mais Dieu seul sait quelle quantité. Le souci, c'est qu'en remontant, ses poumons se dilatent de nouveau puisqu'il n'y a plus la pression contre la cage thoracique et l'air initialement contenu dans les poumons reprend également le volume initial. Ce qui veut dire en fait que ses poumons auraient contenu beaucoup, beaucoup trop de quantité d'oxygène d'air à l'intérieur, donc les alvéoles pulmonaires auraient explosé. Là, on pourrait se dire, ouais, mais ok, mais Audrey aurait su quelle quantité d'oxygène respirer par le biais de la bonbonne. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ça fait plus de 3 minutes qu'elle ne respire pas, et il y a des réactions physiologiques qu'on ne peut pas contrôler, on n'est pas des dauphins, les gars. Ce qui veut dire que à partir du moment où il lui aurait mis le masque pour qu'elle respire, elle aurait peut-être pas contrôlé la quantité qu'elle comptait inhaler. Donc forcément, bah, elle aurait pris le risque, en fait, de mourir en remontant à la surface. En fait, je pense qu'à ce moment-là, Pascal a été dans une situation très, très délicate parce qu'en plus de tenter de remonter le plus rapidement possible à la surface, il devait également penser à sa propre sécurité pour s'éviter un accident de décompression. Et ça aurait pu lui être fatal. Il était tout seul à 171 mètres. Le second plongeur se trouvait à 80 ou 90 mètres. Donc Pascal, à ce moment-là, devait faire un choix, mais sans pour autant mettre sa propre vie en danger. Si des personnes qui s'y connaissent mieux en plongée, en apnée, en poumon et en tout ça bah, s'y connaissent mieux, n'hésitez pas à clarifier mes propos ou à les corriger. Ou voilà. Quoi qu'il en soit, la famille d'Audrey apprend son décès le jour même et sa mère à ce moment-là se trouve au Mexique, mais son père se trouvait en France, il était en voyage. Et clairement, c'est la désolation puisqu'Audrey était censée appeler sa mère après être remontée à la surface pour lui dire comment ça s'était passé. Donc là, Anne-Marie apprend que sa fille est morte lors de cette ultime plongée. Et le monde de l'apnée apprend également cette triste nouvelle et clairement, ils sont en deuil puisqu'à leurs yeux, la Française Audrey Mestre était une étoile montante. Ses funérailles se tiennent le 18 octobre chez elle et son mari à Miami et peu après ses cendres sont dispersées dans la mer. Mais ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que de plus en plus de personnes demandent des comptes sur ce qu'il s'est passé. On veut savoir
comment Audrey Mestre a perdu la vie. Et je pense que beaucoup d'entre vous se rappellent de cette époque, début des années 2000, quand Internet a commencé à se démocratiser, on va dire, on commençait à avoir des ordinateurs à la maison. Il y avait beaucoup de forums, en fait, sur lesquels les gens discutaient de leur passion, un peu comme Doctissimo, mais je vous parle de trucs vraiment à l'ancienne. Et il y a pas mal de forums qui voient le jour et de personnes qui demandent des comptes, qui veulent savoir ce qu'il s'est passé. Ça commence à grossir progressivement sur Internet. Tous ceux qui étaient fans du No Limit veulent savoir ce qui a tué Audrey Mestre. Et c'est Ricardo Hernandez, un employé de l'IAFD. Souvenez-vous, l'IAFD, c'est la fédération créée par Francisco Ferreras et son ami Carlos Serra, qui lance un pavé dans la mare, puisqu'il porte de lourdes accusations à l'encontre de Francisco et Carlos. Il dit que si Audrey est morte, c'est à cause de l'ambition démesurée de ces deux hommes qui savaient qu'il y avait des problèmes au niveau du matériel utilisé le 12 octobre, mais qu'ils ont ignoré, voire dissimulé, certains dysfonctionnements pour que la compétition se tienne. Ils seraient donc responsables à minima à cause de leur négligence. Au départ, Francisco et les parents d'Audrey ont tenu à ce que les résultats de l'enquête, puisqu'il y a eu une enquête, ils ont tenu à ce que les résultats ne soient pas rendus publics pour éviter toute controverse. Mais finalement, en février 2003, et à la demande de Carlos Serra, l'IAFD publie les conclusions de son enquête basées sur les constatations du médecin légiste, de l'océanographe Kim Coy, des témoignages des personnes présentes le 12 octobre et des appareils qu'Audrey portait au poignet et à la cheville. C'est un peu comme la boîte noire d'un avion. Et d'après tous ces éléments, Audrey est morte accidentellement à cause de plusieurs facteurs, une succession d'événements météorologiques et technologiques. Tout d'abord, la météo. Contrairement au jour précédent, quand Audrey s'est entraînée, le 12 octobre, il y avait des vagues, il ne faisait pas si beau que ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, lorsqu'on fait une plongée en profondeur, quelques vagues peuvent faire toute la différence. Il y a par exemple le câble de la gueuse. À cause des vagues, il a bougé et s'est bloqué lors de la remontée, ce qui a provoqué un arrêt. Donc un retard de plusieurs dizaines de secondes à 164 mètres environ. Le rapport parle également du matériel défectueux dans son ensemble. Il y a, là encore, le câble. Vous savez, quand Audrey a tenté de remonter avec le ballon d'air qui était vide, ben en fait, on s'est rendu compte que le câble était légèrement incliné, ce qui forcément a ralenti sa progression puisqu'il la traînait de façon horizontale et non pas verticale. Et ça, c'est problématique. Mais c'était vraiment tout le matériel dans son ensemble. On s'est rendu compte qu'il y avait des vis à certains endroits qui étaient altérés. Et concernant le ballon d'air, c'est là où c'est assez, je dirais pas mystérieux, mais presque, puisqu'effectivement on s'est rendu compte qu'il n'était pas gonflé quand Audrey a tenté de remonter, mais d'après les experts, il n'était pas non plus endommagé au point d'avoir provoqué une fuite, mais il n'était pas non plus dans un état optimal. Donc en gros, ce qu'on nous explique, c'est que le ballon était vide, non pas à cause d'une fuite, parce qu'il n'était pas en si mauvais état que ça, mais on ne sait pas pourquoi. Cela dit, les experts ont assuré que chacun de ces éléments mis à part n'aurait pas été fatal à Audrey. C'est l'addition de tout ça qui a entraîné de très mauvaises conditions pour sa plongée. Le rapport de l'IAFD se conclut comme ça. En résumé, il n'est pas possible d'identifier une cause unique à l'accident d'Audrey Mestre. De nombreux facteurs ont contribué à sa survenue. Et peut-être que si un seul d'entre eux avait été différent, la plongée ne se serait pas terminée en tragédie comme elle l'a été. Ce qui laisse quand même assez dubitatif, puisque, enfin, quoi qu'il en soit, le ballon d'air était vide, donc même si tout le matos avait été en parfait état, le ballon était vide en fait, donc à la seule force de ses bras et de ses pieds, elle n'aurait pas pu remonter aussi vite que ce qu'aurait permis le ballon d'air. Donc bon, mais on y reviendra par la suite. Toujours est-il que ce rapport a quand même permis à l'époque de mettre en place de nouvelles normes pour éviter qu'il y ait de nouveau des accidents comme celui-ci, et ce qui s'est passé également, c'est que l'IAFD, qui était une nouvelle fédération, encore une fois créée par Francisco et son ami Carlos, a commencé à être, on va dire, mal vue, puisque déjà qu'on reprochait à Francisco toutes ses prises de risques par le passé, vous savez, quand il a été sanctionné par l'AIDA, donc là, on lui reproche en fait d'avoir créé sa propre fédération en n'ayant pas suffisamment encadré ses compétitions pour empêcher un tel drame.
Mais selon Francisco, il ne s'agit que d'un terrible accident. Sa femme, d'après lui, était consciente des risques qu'elle prenait. Et à titre posthume, il décide de lui reconnaître le record de 171 mètres qu'elle avait atteint lors de ses entraînements quelques jours plus tôt. Mais l'AIDA, qui reste la fédération de référence, ne valide pas ce record puisque Audrey est remontée morte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour qu'un record soit reconnu, il faut que l'apnéiste remonte en vie et en pleine capacité de ses moyens. Un an précisément après la mort d'Audrey Mestre, Francisco effectue, pour lui rendre un dernier hommage, une plongée en apnée à 170 mètres. Et deux ans après, soit en 2004, il publie un livre autobiographique autour de son histoire d'amour pour Audrey et leur passion commune pour la plongée, The Dive. L'histoire pourrait s'arrêter là. Audrey continue de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont connue, de ceux qui ont vu en elle une étoile montante du No Limit, disparue dans la profondeur des eaux. James Cameron lui-même souhaite acquérir les droits du livre de Francisco Ferreras pour en faire un film avec en vedette Jennifer Lawrence. Mais en 2006, coup de théâtre. La nouvelle tombe comme un croûton dans la soupe. Carlos Serra, ancien directeur de l'IAFD et ancien ami de Francisco Ferreras, publie en 2006 The Last Attempt, la dernière tentative. Dans ce livre, il revient sur la relation entre Audrey et Francisco, mais également sur les événements du 12 octobre 2002. Bon, cette partie est à prendre avec des pincettes, puisqu'il s'agit du témoignage d'une personne. Je ne vais pas utiliser le conditionnel histoire de fluidifier mes propos, mais garder en tête qu'on ne sait pas. Tout d'abord, Carlos raconte que la relation entre Francisco et Audrey n'était pas aussi idyllique que ce qu'on avait pu penser jusque-là. Il dit qu'au contraire, Francisco était un homme abusif, manipulateur, qui pouvait parfois se montrer violent avec Audrey. Il était, semble-t-il, jaloux de l'ascension et du succès d'Audrey, qui s'apprêtait à le dépasser dans une discipline qui jusque-là était sa discipline, puisqu'il en était le recordman. Audrey est décrite comme une jeune femme fragile et malheureuse qui avait tenté par le passé de mettre fin à ses jours à deux reprises. D'après Carlos, elle aimait de façon inconditionnelle Francisco au point d'accepter tout ce qu'il faisait, même s'il la trompait, même s'il la malmenait. Elle l'aimait tellement qu'elle était prête à tout pour lui faire plaisir, quitte à prendre des risques. Mais toujours d'après Carlos, peu avant le 12 octobre, Audrey avait décidé de demander le divorce afin de s'éloigner de Francisco. Elle voulait faire cette dernière plongée avant de le quitter. Concernant le 12 octobre 2002, Carlos explique qu'au départ, il a effectivement cru qu'il s'agissait d'un accident. Il a même défendu bec et ongles Francisco, puisque c'était son ami. Il l'a défendu par souci de loyauté. Mais il dit qu'au fur et à mesure de l'enquête, il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de points qui ne collaient pas. Il affirme par exemple que Francisco ne cherchait pas vraiment à ce que l'enquête aille au bout, comme s'il avait quelque chose à se reprocher. D'ailleurs, Francisco a même accusé l'un des plongeurs d'être responsable de la mort. Vous savez, le deuxième plongeur, celui qui se trouvait à 80 mètres, Carlos dit que Francisco lui a reproché la mort de son épouse, puisque ce plongeur ne serait pas allé suffisamment en profondeur. S'il l'avait fait, il aurait pu prendre la relève, récupérer Audrey et la monter à la surface. Mais d'après Carlos, c'est absolument pas de la faute de ce second plongeur. Il dit que tout le monde dans l'équipe a fait son taf, sauf deux personnes. Le médecin, le supposé médecin qui en fait n'était qu'un dentiste, ce qui est bien en soi d'être dentiste, mais c'est pas pareil en fait. Il dit non, on s'attendait à ce qu'il y ait un médecin. Francisco nous a présenté cet homme comme étant un médecin, alors qu'au final ce n'était qu'un dentiste. Lui-même, au moment où on a remonté le corps d'Audrey sur le canot, lui-même ne savait pas précisément quoi faire, puisqu'il le disait lui-même. Il disait « Mais écoutez, vous voulez que je fasse quoi ? Moi, je ne suis que dentiste. » Donc Carlos dit « Déjà, ce point est assez bizarre. » Et il dit « La deuxième personne qui n'a pas fait le taf, eh bien, c'est Francisco, puisque c'était lui qui était chargé de remplir le ballon d'air, le fameux parachute. » Or, comme on l'a vu précédemment, le ballon d'air était vide. Donc Carlos se pose la question « Est-ce que Francisco a oublié de le remplir ?» Ou est-ce qu'il l'a vidé? Il revient également sur un autre point, il dit que le 11 octobre, donc la veille de la compétition,
Francisco voulait impérativement rajouter 10 mètres de profondeur au record qu'Audrey s'apprêtait à atteindre. En gros, il voulait qu'elle descende à 180 mètres de profondeur, alors que Tanya Streeter avait atteint 160 mètres. 180 mètres, c'est énorme. Et Carlos et Audrey en auraient discuté avec Francisco pour lui dire que c'était pas forcément une bonne idée. Et là, il aurait accepté qu'elle ne descende qu'à 171 mètres. Un autre point qui a soulevé pas mal d'interrogations, c'est le nombre de plongeurs de sécurité. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait que deux plongeurs de sécurité. Un à 80 mètres, un autre à 172 mètres. Donc un mètre plus bas que la profondeur que devait atteindre Audrey. Et beaucoup de personnes se sont demandé la raison pour laquelle il n'y avait que deux plongeurs de sécurité pour un record de profondeur aussi énorme. Quand on regarde, par exemple, le record détenu par Tanya Streeter, quand elle est descendue à 160 mètres, on peut voir qu'il y a une dizaine de plongeurs de sécurité. Les plongeurs de sécurité sont là pour justement éviter ce type d'accident, ou au moins pouvoir apporter du secours le plus rapidement possible à la personne qui a plongé, en se relayant, ce qui permet déjà de passer à côté d'un accident de décompression pour les plongeurs. Comme je vous l'ai dit, les plongeurs avec des bonbonnes doivent respecter des paliers pour éviter un accident de décompression. Donc là, on se dit, ok, deux plongeurs de sécurité, certes, le troisième est décédé l'année précédente, mais qu'est-ce qui empêchait Francisco d'en engager un ou deux autres? Et encore une fois, pour bien recontextualiser, le plongeur Pascal, celui qui a secouru Audrey, il a fait son maximum, mais aux limites de ses capacités physiques et physiologiques, puisqu'en faisant davantage que ce qu'il a fait ce jour-là, eh bien il risquait lui-même de mourir. Quant au deuxième plongeur, Mickey, je crois, ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas avoir compris la situation. Alors, ce point peut se discuter, puisqu'effectivement, il est resté plusieurs minutes à 80 mètres sans se poser aucune question. Mais après, si on recontextualise un petit peu, il est sous l'eau à une profondeur de 80 mètres, donc il ne voit pas forcément tout ce qu'il se passe autour de lui. Et ils ne sont que deux. Ça, faut vraiment le préciser, puisque c'est l'un des points cruciaux dans cette affaire. Il n'était que deux plongeurs à assurer la sécurité d'une apnéiste pour une profondeur de 171 mètres. D'après Carlos, tous ces éléments auraient dû être gérés par Francisco. Donc si ça a mal été encadré, c'est de sa faute. Mais le point qu'il met le plus en avant, c'est quand même le ballon d'air qui était vide. Il explique que ça, c'est le béaba dans la plongée en eau limite. C'est la chose que l'on vérifie en premier, et Francisco devait vérifier ce ballon d'air, donc s'il était vide, il n'y a pas 36 explications possibles, soit il a oublié de le gonfler, soit il l'a vidé. Carlos avance une théorie. Il dit que, d'après lui, le but de Francisco, c'était pas de tuer son épouse, mais c'était de faire en sorte qu'elle ait un accident dans les eaux profondes, et ensuite de partir la secourir et de la ramener à la surface dans un geste héroïque devant les caméras. Bon, le point quand même à souligner, c'est qu'au moment de la parution du livre, Carlos Serra et Francisco Ferreira sont en guerre depuis plusieurs années. En gros, à la suite du décès d'Audrey, Francisco aurait volé Carlos, il lui aurait volé son entreprise, le nom de l'entreprise, l'argent lié à l'entreprise. Bon, il y avait une histoire d'oseille, hein, comme très souvent dans les histoires d'embrouilles. Et du coup, à ce moment-là, ils sont en guerre tous les deux. Donc, voilà. Toujours est-il que le livre fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Certains disent que c'est une vengeance de la part de Carlos, d'autres disent qu'au contraire, il répond à de nombreuses interrogations et il conforte leurs craintes, à savoir qu'Audrey Mestre a été assassinée. Et ce livre a eu un réel impact dans la mesure où, à cette époque, comme je vous l'ai dit, James Cameron songeait à racheter les droits du livre de Francisco Ferreras pour en faire un film. Et disons qu'à partir de là, ben, Francisco n'a plus trop une nouvelle de James Cameron. Donc j'imagine que forcément il y a eu un lien. James Cameron n'a peut-être pas voulu en fait se tremper dans un truc pareil, sachant que lui voulait faire un film avec une histoire romantique entre deux personnes, puis un tragique accident qui sépare deux âmes sœurs. Là, le livre de Carlos Serra, ça fait un petit peu tâche. Donc je pense, mais à mon avis c'est un secret de polichinelle, hein, que James Cameron s'est retiré après la parution du livre de Carlos Serra. Les années passent et beaucoup de personnes continuent de se poser la question. Francisco Ferreras a-t-il tué son épouse?
A-t-il été jaloux du succès de son épouse? De son côté, il a refait sa vie. Il a épousé une mannequin canadienne, Nina Mello, avec laquelle il s'est installé. Il vit toujours à Miami, en Floride. Il continue de pratiquer la plongée, les sports nautiques, même si il fait de moins en moins de plongées en profondeur, comme il a pu le faire par le passé, à cause de problèmes de santé. Et puis, il vieillit, comme tout le monde. Donc son corps est moins prêt à ce type de préparation. Mais toujours est-il qu'il vit sa vie, loin des caméras. Mais en 2013, un documentaire américain sur cette affaire est réalisé, No Limits. Il retrace le parcours d'Audrey jusqu'au tragique accident d'octobre 2002 et on y voit, entre autres, Carlos Serra ainsi que Pascal, donc le plongeur qui a tenté de sauver Audrey, et tout un tas d'autres intervenants qui les ont côtoyés par le passé. Certains disent par exemple que Francisco est un menteur, que la relation qu'il avait avec Audrey n'était pas aussi idyllique qu'il l'a décrite dans son livre paru en 2004. Et certains disent même qu'il y avait à l'époque des rumeurs de violence conjugale. Il était apparemment de notoriété publique qu'Audrey souhaitait quitter Francisco à cause de ses nombreuses infidélités et de son caractère, de la violence qu'il exerçait à son égard. Francisco, vraisemblablement, ne l'aurait pas supporté. Ce reportage relance toute la polémique autour de cette affaire. Francisco Ferreras a-t-il tué Audrey Mestre? Pourquoi le ballon d'air était vide? Pourquoi il n'y avait que deux plongeurs de sécurité avec Audrey, alors qu'il en aurait fallu peut-être 5 ou 6 de plus? Pourquoi Francisco a engagé un dentiste plutôt qu'un médecin pour les accompagner ce jour-là? Mais la question qu'on peut néanmoins se poser, c'est si Francisco avait vraiment saboté le ballon d'air pour tenter de provoquer un accident, pour quelle raison aurait-il plongé pour aller récupérer Audrey, sachant qu'il a plongé à plus de 100 mètres? Il a mis sa vie en danger puisqu'il n'était pas préparé quand il a plongé pour aller la récupérer. Il aurait donc consciemment risqué sa propre vie pour aller chercher Audrey et la remonter à la surface, tel un héros devant les caméras. Francisco a toujours nié être responsable de la mort de sa femme. Il dit que c'est une responsabilité d'équipe. Chacun devait vérifier tous les équipements. Il n'était pas plus responsable que les autres au sein de l'équipe. Chacun devait s'assurer que tout serait fonctionnel. Et il ajoute que de toute façon, Audrey était consciente des risques qu'elle prenait et que dans le fond, elle savait que si un jour ça devait mal se terminer, ça se terminerait mal, mais au moins elle sera allée au bout de sa passion. D'ailleurs, les parents d'Audrey, Jean-Pierre et Anne-Marie Mestre, sont restés très proches de Francisco. Ils se voient régulièrement à Miami, où Francisco vit avec son épouse Nina. Et j'ai farfouillé leurs réseaux sociaux, je vous le cache pas. Effectivement, ils se voient, ils se mettent des petits commentaires sous leurs photos respectives. Donc ils ont gardé des liens assez étroits. S'ils avaient eu le moindre doute, est-ce qu'ils auraient gardé des liens avec Francisco Ferreras? Pour info, j'ai quand même envoyé un message à la famille d'Audrey pour leur expliquer que je comptais faire une vidéo dessus, donc j'ai préféré les prévenir. Récemment, soit cette année, Netflix a mis en ligne un film retraçant sous forme de fiction la relation entre Audrey Mestre et Francisco Ferreras, sous emprise. J'ai vu le film comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, puisqu'il a été numéro 1 Netflix dans le monde entier. Et clairement, la sensation qu'on ressent après l'avoir visionné, c'est que Francisco Ferreras était un homme infidèle, jaloux de son épouse, probablement un assassin. Et en farfouillant sur internet, je suis tombée sur une lettre écrite par Anne-Marie Mestre, la maman d'Audrey, à la suite de la sortie du film sur Netflix. Je vais vous lire cette lettre puisque je la trouve très très importante. Je vous préviens, elle est assez longue, donc je vais mettre des chapitres sous la vidéo afin que vous puissiez passer la lecture de cette lettre. Mais il faut que je la lise parce qu'à mon sens, elle est très importante. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Nous tenons à préciser qu'à aucun moment, mon mari, moi ou Pipine n'avons été contactés pour demander notre avis et surtout notre permission concernant le film. Néanmoins, je trouve cela très important, lorsque l'on prétend réaliser un film sur un événement réel, de vérifier toutes les sources et obtenir aussi toutes les autorisations nécessaires. Sinon, tout le monde peut écrire sur n'importe quoi, soi-disant une histoire vraie. Quelle valeur ce document, film ou autre élément peut-il avoir sans vérification et autorisation?
Ce film est basé sur un livre écrit par l'un des membres de l'équipe de Pippin qui était, au moment de l'accident, en République dominicaine. Je l'ai rencontré à Miami, chez Pippin et Audrey, mais rien d'autre. Cependant, j'ai un très mauvais souvenir de cette personne. C'est cette personne qui m'a raconté la mort de ma fille au téléphone et de manière inhumaine. Le 11 octobre 2002, Audrey m'a promis lors de notre conversation téléphonique quotidienne de m'appeler le lendemain après le record pour me raconter comment tout s'est passé. Ne recevant aucun appel d'elle, j'ai passé l'appel moi-même en vain. Plusieurs tentatives se sont passées avant que quelqu'un ne me réponde dans la chambre. C'était Monsieur Carlos Serra. Je me suis présentée et j'ai demandé où en était le record. La réponse de Monsieur Serra fut « Il y a eu un accident ». Je pose la question « Qui a été blessé ?» Il me répond « Audrey est morte ». Quel manque de tact, de sentiment, d'humanisme d'annoncer une telle nouvelle à une mère à des milliers de kilomètres de sa fille. J'habite au Mexique et j'y étais, mais ce jour-là, mon mari était en voyage en France. Pouvez-vous imaginer qu'après cette courte conversation, je n'ai jamais voulu lire son livre ? J'ai même été surprise quand j'ai appris qu'il s'était permis d'écrire sur une histoire dont je ne connaissais que la fin. J'ai toujours été très proche d'Audrey et plus tard de son compagnon. On s'appelait presque tous les jours, où on échangeait des fax ou des emails quand on ne passait pas quelques jours ensemble au Mexique ou à Miami. Nous étions très connectés et elle n'a jamais mentionné de problème de couple ou de désir de divorce. Et lors de nos fréquentes visites à la maison, nous n'avons jamais eu l'impression qu'il y avait des discordes entre eux. Nous n'avons pas lu le livre, nous n'avons pas vu le film, mais nous avons lu le résumé et cela a suffi à nous faire une opinion sur le peu de véracité qu'il contient. Si Audrey avait voulu le divorce, elle l'aurait fait, record ou pas. Le résumé dit que Pippin était jaloux du succès de sa femme. Mais s'il avait été jaloux, il ne lui aurait pas ouvert les portes du succès. Il aurait fait en sorte qu'elle reste dans son ombre, ce qui n'était pas le cas. Qui l'a humiliée ? Audrey n'était pas une personne qui se laissait humilier. Elle avait la réponse facile. Nous nous adressons à toutes les personnes qui connaissent Pippin depuis longtemps et qui ont eu la chance de rencontrer Audrey. Ce film français, sous emprise, ne reflète pas votre histoire d'amour personnel ou votre amour pour la plongée sous-marine. Nous ne comprenons pas comment une entreprise comme Netflix, connue et appréciée dans le monde entier, peut autoriser la diffusion de longs métrages sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires. Anne-Marie Mestre, maman d'Audrey, et Jean-Pierre Mestre, papa d'Audrey. Bon, ça jette un froid, on va pas se mentir. À ce jour, Francisco Ferreras n'est pas impliqué dans le décès de son épouse. Malgré ça, nombreux sont ceux qui se demandent si, finalement, poussé par l'envie et la jalousie, il n'aurait pas commis l'irréparable sur sa jeune épouse, Audrey Mestre, une après-midi d'octobre 2002. Whose responsibility was it, Pippin, to fill her tank? Well, there was a whole team work. It was a tragic mistake. It was something that nobody wanted to happen, and we had to learn how to live with this. Bon, et bien voilà, si vous en êtes arrivé à cette partie, c'est que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo et j'en suis très contente. Et je pense qu'elle va être assez longue parce que franchement, je suis asséchée là, je suis en PLS, il est 2h du mat. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le film sur Netflix Sous Emprise, moi je vous le conseille parce que déjà le directeur de la photographie a fait un travail de ouf. Il est trop bien tourné, les images elles sont nickel. J'ai été très attristée par cette affaire pour plusieurs raisons. Déjà sachez que quand j'ai commencé à faire mes recherches, bon j'avais vu le film et je voulais comprendre l'histoire vraie. J'ai commencé à faire mes recherches, voyez ça, ça avait l'air trop compliqué parce qu'il y avait beaucoup trop de choses et puis il y avait des éléments qui étaient contradictoires d'un article à l'autre. Donc j'ai commencé à faire encore des recherches. Et là, je vous dis la vérité, mais je me suis passionnée par l'apnée nos limites. Alors, ça m'a pas du tout donné l'envie d'en faire, hein, je vous le cache pas, parce que moi, tout ce qui est sensation un petit peu trop forte, là, comme l'apnée nos limites, c'est pas du tout mon délire. En plus, j'ai peur des eaux profondes, dans le sens où, ouais, c'est une peur qui est complètement enfantine, mais en fait,
Quand une eau, elle est trop profonde, j'ai peur de ce qu'il y a en dessous. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de me faire croquer par un monstre. Donc voilà, c'est très bizarre, je le sais. Mais du coup, je ferai pas un truc comme ça. Cela dit, en fait, j'ai trouvé que c'était passionnant parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, notamment sur le corps humain. J'espère que toutes les explications que je vous ai données sont bonnes. Franchement, je croise les doigts et Monsieur Peson, si vous passez par là, désolé si je me suis fourvoyée, mais voilà, j'ai fait avec les moyens du bord parce que moi, quand il est question de SVT, sciences physiques, maths, mon cerveau, je sais pas, il bloque en fait et pour moi, ça devient du grec. Je pense avoir plus ou moins compris les mécanismes, la bradycardie, le blood shift, etc. Ça, je pense que je les ai bien compris. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles je suis pas encore trop à l'aise, mais toujours est-il que je me suis grave passionnée pour cette discipline, parce que avant de faire mes recherches, moi je pensais que l'apnée nos limites c'était genre, je dirais pas un truc tout bête, mais presque, et en fait je me suis rendu compte que c'est tellement, tellement plus complexe que ça, et j'ai trouvé ça fascinant, parce que je me suis dit qu'il y a des gens qui sont capables de telles choses sur le plan physiologique et physique, c'est remarquable, mais vraiment le terme c'est ça, c'est que c'est remarquable. Et je me suis également fascinée pour Audrey Mestre parce que j'ai trouvé que elle était fascinante. Déjà, c'était une belle plante, mais au-delà de ça, en la voyant nager dans les eaux, je sais pas, elle ressemble à une sirène. Il y a vraiment quelque chose de très fascinant. Et je peux comprendre qu'à l'époque, beaucoup de gens étaient révoltés, attristés, peinés par son décès parce que elle ressemblait vraiment à une naïade, à une créature des eaux. Je pense qu'elle avait vraiment ça, effectivement, depuis son enfance. Maintenant, mon sentiment profond, c'est que même s'il ne l'a pas tuée, mais après ça, je ne le sais pas. J'étais pas là en 2002 avec eux. Moi, en 2002, j'étais dans mes cours de SVT avec Monsieur Peson à essayer de comprendre ce qu'il me racontait. Mais toujours est-il que s'il ne l'a pas fait, je pense quand même qu'il y a une responsabilité de sa part parce que le rapport de l'IAFD a quand même pointé beaucoup, beaucoup de choses qui n'allaient pas sur le plan matériel. Et ça, c'est pas négligeable, parce que quand tu pratiques une discipline aussi extrême et dangereuse que l'apnée nos limites, tu dois au moins t'assurer que tout le matos est correct, que les conditions sont là quand tu laisses quelqu'un plonger. Si c'est toi le responsable, puisque c'était Francisco Ferreira le responsable, même si le président, c'était quelqu'un d'autre, c'est Francisco Ferreira qui a créé cette fédération et c'était clairement lui le boss. Donc je me dis, ouais, je pense qu'il y a quelque chose, il s'est, j'ai l'impression, un peu déchargé. Et Carlos Serra, en fait, ce que j'ai pas trop apprécié avec Carlos Serra, c'est le délire de cracher dans la soupe après l'avoir bu jusqu'à la dernière goutte. Carlos, pendant plusieurs années, il a défendu bec et ongle Francisco, et c'est à partir du moment où tous les deux ont eu un problème lié à l'argent, plus vieux mobile du monde, que là, d'un coup, il écrit un livre pour faire des révélations de ouf. Ça, j'ai du mal. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Et j'ai lu un truc concernant l'apnée nos limites, la plongée en général. J'ai lu qu'en fait, le corps a une certaine profondeur. Il ressent des sensations qui sont limite assimilables aux sensations que l'on ressent quand on prend des substances assez lourdes. Je vais pas dire les mots puisque ce serait une raison de plus pour le père Fouettard de striker ma chaîne. Mais en gros, ça devient une addiction ensuite pour les apnéistes par rapport à la sensation qu'ils ressentent en profondeur. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas. Si un apnéiste passe par là, par le plus grand des hasards, je serais grave curieuse de savoir son ressenti. Et bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, parce que je suis claquouche, donc moi aussi là je commence à ressentir des sensations voilà, de flottement. Bref, n'hésitez pas à me mettre en barre des commentaires ce que vous avez pensé de l'histoire d'Audrey Mestre. Et ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.